La Besace. Jupiter dit un jour « Que tout ce qui respire s'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur, je mettrai remède à la chose. Venez, singes, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leurs beautés avec les vôtres. Êtes-vous satisfaits ? » « Moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait, jusqu'ici, ne m'a rien reproché, mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours, venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre, tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort, glosa sur l'éléphant. » Dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jean Hupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste content d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière. Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts la poche de derrière, et celle de devant pour les défauts d'autrui.